Bonjour les traders. Donc je vous montre les mentions légales. Prenez le temps de les lire. Je ne suis qu'un amateur et je vais répondre à mes détracteurs si j'arrive à fermer. Hop, 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 hop. Alors, bien sûr, je vends une méthode 30 euros. On me dit, ben oui, jusqu'à maintenant, je donnais mes méthodes gratuitement. J'ai donné des... Alors, je vends. Alors, s'il suffisait de regarder, de prendre les actions King qui versent des dividendes en augmentation depuis 15 ans et de vendre ça, bien sûr, je serais un voleur. S'il suffisait aussi de prendre, de vendre comme beaucoup les actions bon père de famille, Aristocrate, acheter Air Liquide, L'Oréal, Essilor. Je vous dis tout de suite, elles ne sont pas dans ma liste. Sanofi non plus. Même Ruby, je l'ai éliminée parce qu'elle ne reverse que de 3,68% de dividendes, qui pour moi n'est vraiment pas assez. J'ai sélectionné que des actions avec vraiment des très gros dividendes et en ordre croissant. En ordre croissant. Parce que si on regarde... Si on regarde, bon, bah, je vais répondre. Alors, quand je pense que les gens avaient du respect pour Philippe, t'es pas mieux que les autres vendeurs de méthodes miracles. En tout cas, bon, pour ne pas perdre tes plus-values, prends une partie que tu sécurises. J'ai bien trouvé une action qui fait 33%, mais elle a baissé de 60% cette année, donc perte de 30% sur un an. Et une autre qui propose du 28% de dividendes, mais elle a baissé de 77%. Bien sûr, si tu as acheté au plus haut, il fallait pas acheter il y a 2 mois, il y a 5 mois. C'est maintenant qu'il faut acheter. Et encore maintenant, moi, je vends ma méthode et je leur dis non, attendez le signal. J'ai fait une vidéo en montrant le signal. Et là, il n'y a aucune action. Là, j'ai sélectionné une petite quarantaine d'actions, les 40 meilleures pour moi. Et aucune action n'a pour le moment le signal. Elles sont toutes baissières. Si vous achetez au plus haut, c'est ce que je dis, il ne faut pas acheter une action parce qu'elle donne 40% de dividendes. Non. Il faut acheter une action, mais il faut aussi qu'elle soit en tendance haussière. Et là, en ce moment, eh ben, on est en tendance baissière. Hein. Tout chute. Tout chute. On est en retracement. Tout retrace. Donc, alors là, j'ai Patrick qui me met gouvernement Prosperi Income Trust. Alors, ça je ne sais pas, c'est peut-être le nom d'une action. On va aller voir sur Zone Bourse. Zone Bourse entrée. Pourquoi ça fonctionne pas? Bon. Ah, je vais vous montrer une action. Pareil, qui fait 32% de dividendes, mais je ne l'ai pas sélectionné. Je n'ai pas sélectionné cette action. Alors, pourquoi je ne l'ai pas sélectionné? Déjà, elle n'a pas un rendement croissant. Vous voyez que 32,9, 32,9, 32,9. Dividendes divisé par action, c'est pareil, ce n'est pas croissant. Le chiffre d'affaires 2020 est prévu à la baisse. Cette action a des dettes. Donc ça, elle n'a pas de cash flow. Tout ça, c'est des actions. J'en ai éliminé une cinquantaine d'actions comme ça, qui même avec des gros dividendes, c'est pas ça que je vous vends. Ah non, ça serait trop facile. Ce serait trop facile de vous vendre des actions. Qui ont des dettes, qui n'ont pas de ROA, qui n'ont pas de ROE. Tout ça, c'est... Qui n'ont pas de PER. Non, c'est...
Tout ça, faut se méfier de ces actions-là qui sont un résultat net en perte. Non. Moi, je vous donne vraiment, pour 30 euros, je pense que vous en avez pour votre argent. J'ai pris le temps de tout regarder, la notation, si on regarde la notation. Vous voyez, de manière générale, la société présente des fondamentaux de mauvaise qualité dans le cadre d'une stratégie d'investissement à moyen et long terme. Moi, à part qu'elle a un bon rendement, c'est tout. Mais tout c'est pas sûr qu'elle verse encore un gros rendement, puisque tout est de mauvaise qualité. Hein, elle est en perte. Donc moi, c'est pas ça que je vous vends. Hein. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, zone bourse, voilà. Ah oui, j'ai vérifié tous les chiffres, comme là, celle que je viens de montrer. Eh ben, il y a sept chiffres pour moi, celle-là, il y a sept chiffres qui sont dans le rouge. Il suffit qu'il y ait un chiffre dans le rouge et je l'élimine. Elle n'est pas dans ma liste. Alors si le résultat net s'effondre, est-ce que la dette a augmenté? Est-ce que le dividende confirme? Bon, ça je ne sais pas ce que c'est. Moi, les actions que j'ai sélectionnées, le chiffre d'affaires est en hausse, le bénéfice est en hausse, les dividendes est prévu à la hausse, tous les chiffres, tout est prévu à la hausse. Alors, nom de cette action, ben non, ben voilà, je la vends, je vends cette liste. Il y a une vidéo explicative, quand acheter, tout ça. Je montre comment créer la liste, comment surveiller sur ProRealTime et sur Fortuneo. C'est pareil, on m'a écrit, ah oui, mais je ne suis pas sur Fortuneo. Sous-entendu, est-ce que je pourrais avoir une remise? Non. Moi, je vous vends. Après, c'est vous faites. Au moins, vous pouvez au moins utiliser les screeners de. Que je vous donne sur ProRealTime. C'est tout. Et après, si vous voulez, si vous n'êtes pas content de moi, si vous voulez supprimer, ben vous vous désabonnez de. Je ne sais pas où, mais vous désabonnez de. Vous regardez plus mes vidéos. Si pour vous, je suis qu'un vendeur de méthode. Hein? Alors que, bon, ben. Alors là. Ouais, donc là, il y a déjà des pistes et revenir. Ouais, donc là, ouais. Donc là, un bon rendement. Mais donc là, ouais, c'est tout ce qu'elle a, quoi. Un bon rendement. Si on regarde les chiffres, finance, on voit que c'est pas en progression, on voit qu'elle fait des pertes, le chiffre d'affaires il baisse. Le PER, il faut jamais acheter une action avec un PER négatif. Tout ça, bien sûr que hein, je ne suis pas comptable, mais hein, je sais un peu tous les chiffres. Mauvais, 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 mauvais. Là, tout est mauvais. Alors, c'est simple. C'est simple. Et si vous avez une action comme ça, ben, il ne faut pas l'acheter. Voilà, j'espère que. Et là, au contraire, ce qui est bien, c'est qu'en ce moment, tout retrace. Ça va être le moment d'aller au marché et d'acheter des actions qui ont un bon rendement, qui versent des bons dividendes depuis des années. Et comme je vous ai dit, malgré ça, il y a des actions aristocrates là. Tout ça, il n'y en a aucune que j'ai sélectionnée. Les actions King, il y en a une seule. Il y a une action King que j'ai sélectionnée. Voilà. À bientôt. Bonne fin d'année. Au revoir.